Voilà comment j'ai dessiné Radium Girls. Comment j'ai dessiné Radium Girl? Déjà, comment j'ai découvert Radium Girl? J'ai vu passer un article sur les réseaux sociaux, sur mon feed, où il y avait marqué Radium Girl dessus. Et j'ai été complètement catchée par ça, parce que je me disais, waouh, Radium Girl, ça a l'air d'être un groupe de rock stylé des années 60. Et en fait, pas du tout, c'était pas du tout un groupe de rock des années 60. Et parce que quand même, Radium Girl, c'est quand même vachement catchy, quoi. Et en fait, j'ai découvert cette histoire de ces femmes qui peignaient des cadrans de montres avec une peinture au radium, ce qui nous paraît complètement fou furieux de nos jours. On a bien compris que le radium était mauvais pour la santé de nos jours, mais à l'époque, on ne le savait pas. Et donc, ces femmes peignaient les cadrans de montre parce que l'une des propriétés du radium, c'est d'être phosphorescent à la lumière sans besoin d'être chargé au soleil. Et ça, c'est très pratique pour lire l'heure dans le noir. Donc voilà. Et donc, je suis tombée dessus et puis j'ai découvert l'histoire de ces femmes qui avaient été effacées de l'histoire, encore. Donc, ça m'a énervée. Bon, ça n'a pas mis tout de suite... Je ne me suis pas tout de suite dit que j'allais en faire une bande dessinée, mais ça a fait son petit bonhomme de chemin. Les rencontres ont fait que je me suis dit que c'était un thème cool. Ça s'inscrit dans une mouvance où on veut réintégrer ces femmes qui ont été oubliées par l'histoire. C'est profondément injuste. L'histoire avec un grand H écrit par des hommes uniquement, des hommes avec un petit H, c'est impossible en fait. Voilà. L'histoire ne peut pas s'écrire sans les femmes parce qu'elles ont déjà elles sont en place depuis... Elles n'ont pas attendu qu'on leur donne leur place pour y être. Et en fait, surtout, l'histoire de ces femmes est dingue, quoi. Donc, ça concentre tout, les luttes sociales, les luttes féministes. Donc, c'est pour ça que j'ai été vraiment touchée par ça. Si j'ai décidé de dessiner au crayon de couleur, c'est déjà parce que j'aimais beaucoup ce médium. J'ai fait beaucoup d'illustrations avec ça. Et ça me permettait d'avoir un espèce de grain, en fait, bien particulier. J'avais envie de faire une BD au traditionnel déjà avec on sent un peu ce grain là avec un camaïeu très resserré de couleurs, donc c'est du violet au bleu avec une couleur qui ressort, qui détonne, c'est ce que je vais appeler le vert radium, mais c'est un vert d'eau en fait. Et si j'utilisais ce camaïeu de couleurs, c'est aussi pour mettre en valeur le vert d'eau, en fait. Le radium qui est clairement, il y a six filles, on suit six filles, ben, la septième star de cette star funeste, c'est le radium, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette technique. C'est d'une, parce que j'aime ça, c'est plutôt bien de faire ça, de faire ce qu'on aime quand même comme procédé. Et puis voilà, c'est parce que je sentais aussi que ça avait... Ça donne un petit côté un peu sépia aussi, enfin, cette idée-là, sans les couleurs sépia, mais ça donne un rendu un peu, voilà, qui est assez cool. Et puis, je sais pas, c'est aussi les couleurs que j'appose aux années 20, étonnamment. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est Mucha qui... Voilà, l'illustrateur Mucha utilisait pas mal cette gamme chromatique-là, donc peut-être qu'il y a de ça aussi, je sais pas. Leur combat n'a pas mené, en fait, à une justice, pour elles, du moins. Elles ont juste permis d'amorcer et de donner les billes à une autre Radium Girl dans l'Illinois, qui, elle, a gagné son procès. Parce que, bon, pas de spoiler, hein, à la fin, ça termine mal à un moment ou à un autre. Mais clairement, voilà, elles ont permis d'aider d'autres Radium Girls à réussir à avoir justice, en fait. Mais c'est pas à cause ou grâce à elles qu'on a légiféré le radium. Par exemple, le radium a été légiféré à la mort du premier homme bourgeois qui en est mort, et c'était un tonique au radium. Donc voilà, ça a tué des tonnes de femmes, mais par contre, il a fallu attendre que ça soit un homme riche qui trépasse pour qu'on se dise « Ah, on va peut-être légiférer sur ça ». Voilà, c'est tout le problème de la quantité négligeable de ces femmes. Enfin, j'ai envie de dire, ces femmes, mais who cares? En plus, c'était dans une époque... c'était une époque où c'était très dense, elles venaient tout juste d'avoir le droit de vote, etc. Voilà, c'était entre deux guerres, etc. Mais bon, elles étaient quand même très négligeables comme quantité. Qu'est-ce qui a été compliqué? En fait, déjà, je ne suis pas historienne, donc c'est un léger détail quand on fait une BD dans les années 20. Je ne suis pas historienne, je n'ai pas fait particulièrement de recherche, avant de faire les Radium Girls sur les années 20.
Donc je suis arrivée avec plein d'idées préconçues. Moi, je pensais que j'allais faire une BD Gatsby magnifique, quoi. Enfin, super, je vais pouvoir faire des robes, etc. Ça va danser et tout. Et puis quand tu commences à te renseigner sur les années 20 et surtout sur ces femmes-là qui sont dans du middle class de ces années-là, bon, clairement, on n'est pas dans du Gatsby magnifique. On est vraiment dans le middle class et pas dans la bourgeoisie. Donc, il a fallu que je me renseigne sur cet entre-deux de classe et que je fasse des recherches, savoir comment elles étaient habillées, comment était leur intérieur, etc. Et c'est pas du tout l'iconographie qui perdure, en fait. Ce qui est l'iconographie qui perdure, c'est des gens qui ont l'argent, le pouvoir. Et donc, voilà. Donc, il a fallu que je fasse des recherches. Il a fallu que je leur mette un visage. Et certaines ont des photos qui ont perduré. Par exemple, il y a une des héroïnes qui s'appelle Grace qui a une image. Donc je sais à quoi elle ressemble. Mais sinon, les trois quarts, il a fallu que je leur mette un visage, des proportions, une morphologie. Donc ça, il y a eu pas mal d'interprétations. Mais toutes les femmes qui sont citées dedans ont existé.